Oh, Casey, bonne nouvelle. Oh, Elsa, je m'en fiche. Pourquoi t'appelles maman Elsa? Ton uniforme pour Clayton est arrivé aujourd'hui. Il est vraiment très joli. Il a déjà un look intelligent. Comment vous trouvez mon rôti? J'ai essayé un nouveau mélange d'épices tout prêt. Tu nous as trompés? Pour la plupart des espèces mammifères, la survie dépend de l'appartenance à un groupe et de la connaissance de ce groupe. Chut, arrête de t'asseoir comme si j'étais un œuf, je suis pas un œuf. Cuic, cuic. Mais les membres de mon groupe ne cessent de migrer vers d'autres écoles. Je déteste cet endroit. Laisse-leur une chance. Salut, moi c'est Casey. Je m'en fous. Vers d'autres maisons. Toi qui as lancé une grenade dans nos vies. Je ne peux plus vivre avec toi. Ou juste loin de moi. C'est un mystère. Certaines choses semblent solides comme le roc et se fissurent, béantes. Et avant même de t'en rendre compte, tu es tellement au fond du trou que c'est quasiment impossible de creuser pour en sortir. Qui ici trouve que c'est difficile de faire face au changement? Mais il y a toujours un moyen de sortir. Bon, ça va pas être facile, mais tu peux gérer ça. J'ai remarqué que Sam n'avait postulé dans aucune université. Mais je dois choisir une université. Faut que t'arrêtes d'écouter les autres. Tu veux quoi, toi? Tu sais, tout le monde connaît des défaites. T'as pas le droit de te laisser abattre par un échec. C'est temporaire, juste le temps qu'on trouve une solution. J'ai utilisé mes réductions d'employés pour t'acheter ces crayons de papier. T'étais pas obligé. Je suis ton grand frère. Moi aussi, je peux être là pour toi parfois. Tu dois nous prendre pour d'horribles parents. Vous êtes juste, vous savez, juste des gens. Le monde est brutal là dehors. C'est pour ça qu'on a besoin de sa famille. Je suis content qu'on se sente suffisamment en confiance pour faire ça de temps en temps. J'ai pas d'avis sur le sujet.